Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux de ce jour. Vous le savez, comme d'habitude, on démarre par le quotidien Maison d'Abarou qui nous donne à lire ce matin. Parti politique et militant à la base, la formation sur le militantisme, l'autre défi des responsables politiques. Démolisation annoncée du marché d'Antopa, c'est crever le second œil au Béninois. Alerte Célestine Zanou. Autour du Béninois libéré à présent, séance de prière pour le peuple et le président Patrice Talon à Parakou, code électoral. À la suite des protestants, les imams du Bénin fragilisent le clergé catholique. Crise Bénin-Niger, Nice Fossoglo et Boniaï à Niamey ce lundi. Le grand regard nous donne à lire à présent autour du code électoral qui des prêtres et des imams induisent Talon en erreur. Utilisation optimale des outils modernes de communication en politique. Le Refela Bénin déblaye le terrain pour les femmes élues locales. La boussole à présent réunie à Parakou par rapport à la position des catholiques sur le nouveau code électoral. Les imams du Bénin invitent au respect de la laïcité du pays et à la volonté des élus du peuple. Mise en service de l'hôpital international de Calavi vers la réduction drastique des facteurs des évacuations sanitaires du Bénin. L'opinion nous donne à lire ce matin, passation de charge à AGTIP Bénin, Léona Kédoté prend les commandes. Colloque international à Cotonou, renforcer la démocratie en Afrique à travers le prisme des cultures politiques. Dans l'éveil info, on peut lire destruction annoncée du marché d'Antopa. Célestine Zanou s'oppose et propose travaux de projet d'asphaltage de Parakou. Un mois après le lancement, la grande attente. L'investigateur nous donne à lire à présent cyclisme point complet des championnats nationaux édition 2024. Loterie nationale du Bénin, plusieurs gagnants empochent d'importantes sommes au Loto Star et au Loto Sportif. Le territorial à présent, répression pour non-respect des couloirs de circulation, six causes générales sur la route. Patrice Talon en est-il demandeur? C'est la question que se pose le journal ce matin. Yahi Essoglo annoncé à Niamey ce matin dans la crise Bénin-Niger, la fibre patriotique qui manquait. Le quotidien, les quatre vérités à présent, délocalisation du marché international de Cotonou. D'Antopa doit rester, réagit Célestine Zanou. D'Antopa délogé ne restera pas un point noir, dit Wilfried Hongedi. Descente du président du parti Les Démocrates dans le Zou, Boniaï dévoile son rêve pour le Bénin et lance un appel à ses anciens collaborateurs. Et pour boucler cette revue des titres des journaux, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou, promotion de la culture du cheval, l'association culturelle et sportive Bénin Massobou créée, spectacle humour Pacheco à Parakou, les populations ont ri à gorge déployée. À travers une soirée de gala des entrepreneurs à Parakou, le REGEP CL promeut le consommant local. Et bien voilà, c'est la fin de cette revue des titres. Toute l'équipe de préparation, de tournage et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. À demain.